Les sorties ciné les plus attendues pour la semaine du 1er novembre. Flo. Après avoir été à l'affiche du film Printemps à Paris, l'actrice et réalisatrice française, Géraldine Danon, revient cette fois-ci derrière la caméra avec un biopic dramatique centré sur Florence Artaud. Surnommée la petite fiancée de l'Atlantique, cette célèbre navigatrice est connue pour ses exploits hors pair en mer. Le garçon et le héron. Cet animé suit les aventures trépidantes de Maïto, un jeune adolescent qui, suite à la disparition de sa mère, part s'installer avec son père dans un lointain village. Un jour, il fait la rencontre d'un héron cendré qui devient avec le temps son allié dans cet univers plein de mystères. L'enlèvement. Réalisé par Marco Bellocchio, cette production historique met en vedette Leonardo Maltese dans le rôle d'Edgardo Mortara, un garçon juif de Bologne. L'intrigue se déroule en 1858 lors de l'enlèvement de ce dernier par les brigades du pape roi. Complètement cramé. Ce film met en scène l'histoire d'Andrew Blake qui, depuis la mort de son épouse, décide de partir en France pour se remémorer leur première rencontre. Mais, ce voyage l'amènera à vivre de nouvelles aventures, qu'il était loin d'imaginer.